Eh les gars, un petit aparté pour démarrer. Qu'on soit bien d'accord, cette histoire est une fiction dont le but est de divertir. Les personnages qui y apparaissent ne sont que des personnages fictifs, le plus souvent grotesques, et n'ont aucun rapport avec toute forme de réalité. Ça le fait ? Amen. Oh, Tony. Où sommes-nous ici ? Quelque part, ma beauté. C'est bon d'être quelque part, non ? S'en aller faire une petite balade le long du littoral. Sentir à nos pieds la Méditerranée qui scintille sous la lune. Laisser les senteurs safranesques et marines caresser nos narines. Oh yes, let's do it, Tony. La blonde qui s'accroche à mon bras s'appelle Gloria. Gloria Victis. C'est une donzelle plutôt jolie, grande, mince, joyeuse, avec une peau d'ocre et un sac en croco. Elle a les yeux verts, ce qui est bien pratique quand on veut passer pour un albinos auprès d'un daltonien. En outre, Gloria n'est ni plus ni moins que la fille unique de Vic Victis, le roi des perles de culture sous cellophane. Une pauvresse qui doit peser dans les 10 milliards de dollars en ancien France, entre autres. Cette Miss Victis, je l'ai rencontrée avant-hier à un cocktail au Palm Beach. Elle cherchait du feu, j'avais mon briquet. Nous étions nés pour nous rencontrer. C'est pas que je sois tellement sensible au pognon, le désintéressement personnifié, ça n'a. Vous me connaissez. Mais ça me bottait de voir comment vit une nana sur le compte en banque de laquelle le soleil ne se couche jamais. Oh, Tony! Oh my God! Et vous connaissez l'arrière-pays? Non. Alors je suis sûr qu'il vous plaira. Oh, Tony! C'est tellement calme ici. C'est l'heure frissonnante, ma douce. Ah, c'est exquis. Oh my God! This guy is crazy! Ça, y'a pas d'heure pour les dingues. Ah, look, Tony! An accident! Yes, c'est la tire qui vient de nous doubler. Ah. Oh, étonnant, à l'allure où elle me meurt. Une décapotable décapotée, j'y en travers de la route. La portière est ouverte et l'un des occupants est à moitié éjecté du véhicule. Oh, je vous jure, les gars, c'est un spectacle plutôt impressionnant à mater à la lueur des phares. Alors, mon petit vieux, ça va bien ? Moi, à ta place, je mettrai les mains sur la tête, fucker. Cody, va chercher la fille. Hurry up, man. Oh, mais je comprends tout. Cet accident n'est en réalité qu'un vil guet-apens. Shut the fuck up! You fucking arms in the air now, fucker! Je sais, c'est de l'anglais. Mais quand le monsieur qui vous donne des ordres tient dans la main un 11 mm, il peut vous adresser la parole dans n'importe quelle langue, on lui obéit d'instinct. You, get out, now! Ah! Ah! Tony! Toi, le playboy, mets-toi à genoux, ok? À genoux? Oui, à genoux! À genoux, t'as compris, fucker? Let me go! Shut up! Get in the fucking car! Je t'ai dit à genoux! C'est que mes genoux, ça m'ennuie à cause de mon beau pantalon blanc, quoi. Ah! Tu comprends, c'est du lin. Si tu te mets pas à genoux tout de suite, c'est ta belle chemise qui aura tout plein de trous, motherfucker! Oh, mais c'est qu'il a de l'esprit, l'intellectuel au Beretta! Oh, oh, t'as ton bac? Fuck, Cody! Hurry up, man! A car is coming, man! Et c'est parti pour la une! Oh, bah, c'est boum! Mais coûte ta tête dans le bide! Shit! Des double coup de boule dans les gencives. Et clac, et clac, le percute dans la gueule, et paf. Et attends, t'en vas pas, oh fuck. C'est le générique de début. Get the fucking girl in the Gloria, vite, sautez. Alors, ma belle, pas trop de bobo? Non, ça va. Thank you so much. Une agression. Des gangsters ont tenté d'enlever mademoiselle. Non, des gangsters? Oh, c'est une blague. Ah non, mais c'est la caméra cachée, c'est ça. Oh, je vous reconnais, vous, vous êtes Jacques Legras. Mais non, ce n'est pas Jacques Legros. C'est un héros. Et son nom, c'est San Antonio. Oh, police. C'est un merci, San Antonio. Commissaire Santoni,
avec Jean-Yves Lafesse. Vous voulez boire un verre? Ah, madame, c'est pas de refus. Après ces émotions nocturnes, l'heure de la mouche du scotch a sonné, comme dirait l'autre. Où est le whisky? Le bar est là-bas. Voilà, c'est bon. Allez-y, chialez un bon coup. Ça va vous soulager. Et ça y va, les larmes, c'est comme les crevettes grises. Plus elles sont salées, meilleures elles sont pour la santé. C'est bon, là, maintenant, Gloria, ça va. Allez, allez, on va réagir, hein? On va porter plainte. À quoi bon? Ça fait la quatrième fois en moins de 6 mois. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent, au juste, ces malandrins? Oh, rançonner mon daddy, je suppose. Un autre verre, please. Commissaire. Alors là, chapeau, Gloria. Ma parole, vous tenez le litron. Un biberon comme celui que vous venez d'écluser, ça aurait endormi un bébé de 45 ans. Ma parole. Bon, Gloria, faut faire quelque chose. C'est trop facile de se croiser les bras en décrétant que c'est la fatalité qui veut ça. Hein. Ces Westiti doivent être pourchassés et arrêtés. Pour commencer, je crois qu'il serait préférable de ne pas vous laisser seul cette nuit. Oui, je préfère aussi, Tony. Ça chauffe à côté, hein. Ça y est, il se la fait. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah non, hein. Les oiseaux à lunettes, là. Pas dans chaque épisode, hein. Non, non, non. Il attaque à la cosa. J'arrive dans l'œil. C'est de la cible. C'est de la cible. Je sais pas si vous êtes comme moi, les gars, mais je trouve qu'un grand moment de la vie, c'est un petit déjeuner complet près d'une nana en costard d'Ève. Quand on a la Méditerranée à ses pieds et du soleil plein la chambre, ça vous glisse dans le réservoir à sensation des titimons paradisiaques. À quoi pensez-vous, Tony? À l'affaire de cette nuit, ma toute belle. Bien entendu. Oh, j'ai peur, Tony. J'ai très peur. Un de ces jours... Ils arriveront, ils demanderont une rançon à Daddy, et quand ils l'auront touché, ils me tueront. Ouais, vous devriez avoir un garde du corps, ma toute belle. Mais Daddy voulait m'en donner un, et moi j'ai refusé. C'est tellement irritant d'avoir sans cesse un homme qui vous suit comme un petit toutou. But... Ouais. À moins que... Oui. Oh, Tony, il faudrait que ce soit vous. Le toutou en question. Ah oui, dans ces conditions, je voudrais bien. Mm-hmm. Vous savez que Daddy vous donnerait une fortune. J'appartiens à la police française, vous savez bien quand même. Bon, là, c'est les vacances, on rigole, on s'envoie en l'air, mais... Et vous êtes en vacances pour combien de temps? Un mois, ma chérie. Eh bien, je vous engage comme garde du corps pendant un mois. Oh, Tony, écoutez-moi. Je parle sérieusement. Il y va de ma vie. Dans 2 jours, je quitte la France pour me rendre dans l'île du Camp Kipok. Vous ne savez pas où se trouve l'île du Camp Kipok, je présume? Dans l'archipel des Galapagos. Oh, bravo! Et on m'avait dit que les Français ne connaissaient pas la géographie. Gloria, allons. Quand même, c'est l'île du milliardaire Okapis, bien sûr, en plein Pacifique. Tout le monde sait ça, quand même. Justement, je ne veux pas me retrouver là-bas avec cette menace qui fait le rodeo autour de ma tête. Allez, Tony, venez. Ça ne dure que 8 jours. Mais ce sera un beau voyage, vous verrez. Moi, je veux bien. Mais à quel titre j'irai là-bas, ma chérie? Well, vous seriez mon fiancé. Are you okay, Tony? Enfin, Gloria. Vous n'y pensez pas, non? J'ai même pas de garde-robe adéquate. Mon petit cœur, enfin... J'ai apporté que 3 ou 4 complets. Il faudrait des smokings, des chemises en pesée, des escarpins, des lacets. Bref, toute la panoplie, quoi. Oui. Et alors, on trouve tout ça à Cannes, non? Bah... Vous ne répondez pas, Tony? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ah, les gonzesses, je vous jure. Arrêt au bord de Paris. Les passagers en correspondance pour Mogadiscio et Kuala Lumpur sont attendus sur le quai.
Moi, vous me connaissez, j'adore les voyages. C'est dans ma nature et dans mon horoscope. Le surlendemain, c'est The Big Départ. On y va en saut de puce ou conquipoque. Nice-Paris, Paris-Mexico, puis Mexico-Quito, où nous fêtons un petit coucou d'amoureux pour le port de Guayaquil. À Guayaquil, un des yachts de Mr. Ocapis nous attend. Ah, mais l'autre, je voudrais que vous vissiez cette coquille. Sur le pont, pas de classique transat, mais des bergères Louis XV. Les coursives sont tendues de soie rose. Chaque porte est en palissandre avec des peintures en or massif. Au sol, des tapis de Téhéran, mesdames. Les cabines sont meublées en Louis XVI d'époque, avec salle de bain en platine. Et dans chacune d'elles, on a accroché un Rembrandt. Et allez, bref, on peut pas aller plus loin dans le luxe. Ou alors c'est plus cher. Ah ! Ravissant bateau, n'est-ce pas ? Une splendeur, mon petit cœur. Ah ! Quelle merveilleuse lune de miel nous allons passer. Bref, je me loque en touriste super luxe. Pantalon de lin blanche, chemisette de soie blanche, blazer de flanelle blanche, élégance française. Et je grimpe sur le pont en compagnie de ma pseudo-fiancée. Le fils aîné de Capis nous attend. C'est un petit macaque avec des cheveux frisottés et du poil aux oreilles. Hi. Hello, Homer. Mes hommages, Miss Victis. J'ai appris par câble que vous ameniez votre fiancée. J'en suis absolument ravi. Et que faites-vous dans la vie, cher Monsieur San Antonio? Je suis un très grand écrivain français. Je publie mes ouvrages sous le pseudonyme de Frédéric Dar. Oh, merveilleux. Frédéric Dar? Oh! Tony, je ne savais pas que vous étiez aussi cultivé. Laissez-moi vous présenter Gloria Victis et son fiancé, l'écrivain Frédéric Dar. Les autres deux marques continuent d'affluer. Je suis présenté tour à tour au prince Salim Tangsapo. Sahalim. Comment ? Sahalim. Salam alaikum, tout le monde. Sahalim, tant que ça peut, futur souverain d'Arabie septentrionale. À tête de l'art, le roi de la tringle à rideau en bambou renforcé. Aïe, aïe. Pour moi, c'est Teddy. À Foscao Ier, proclamé roi du banania continental depuis que la France a reconnu l'indépendance du territoire de Belfort. Le monarque est venu avec ses 11 femmes et le fils de sa sœur qui avait la rougeole et auquel un changement d'air était recommandé. Et quoi de meilleur que l'air du grand large ? Bonjour, vous ! Ensuite, je fais ma révérence à Féline Sion, la célèbre cantatrice nord-américaine dont le contrut a meurtri les tympans du monde entier. Ben moi, j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Jean-Guy, la route des loups à Québec. On poursuit avec son excellence, y a pas de métro à Kyoto, ambassadeur du Japon à Pointe-à-Pitre. Maiwa Yoganeda. Lequel ne fait que précéder l'archiduc François-Joseph de Cronenbourg-de-Luxe. Tous plus moches les uns que les autres. La moyenne d'âge est environ 65 berges. Et c'est pas l'arrivée in extremis du général Van Cocklus, héros de la guerre de 1870, qui serait susceptible de la faire tomber. Ah, ma jambe articulée, elle s'est coincée sur le ponton. Mon général, au nom de mon père, je vous souhaite la bienvenue à bord. Waouh, la vache. Impressionnant ce coucher de soleil. On en prend plein les yeux, Gloria. C'est rose, c'est vert. Bonsoir, madame, monsieur. Je serai Jean-François, votre steward de peau. Puis-je vous proposer un rafraîchissement, un digestif ou encore une boisson réchauffante ? Deux whisky, bien tassé. Très bien, monsieur. Avec un spéculoos ? Très bien. Je vous en prie. Vous savez, Tony, je voudrais réellement être votre fiancée. Vous ne répondez pas, Tony ? Vous toussez ? Voilà, madame, monsieur. Je vous en prie. Vous êtes fou ou quoi ? Imbécile ! Plein sur ma robe ! Si mademoiselle veut bien me suivre, je saurai réparer ce malheur. Quel con ! C'est terrible ! Bravo ! Je ne sais pas où il en crut de son personnel au Capis, mais quand on se mêle d'inviter chez soi des reines et des rois, vaut mieux engager de la main-d'œuvre qualifiée, non ? Oh ! Tout va bien ? Gloria ! Gloria ! Où êtes-vous, mon petit cœur ? Gloria ! Hé, la vedette, là-bas, oh !
Qu'est-ce qui se passe? Chopez-le, allez, je suis... Nom de Dieu, nom de Dieu, mais on me l'enlève sous le nez, ma milliardaire. Et juste après le dîner. Allez, brute. Il est passé où, le gars? Mais ça se fait maintenant, dégommez-lui sa tranche de cake à la fin, mais allez-y, sortez-le, que de faire dingue. Il est passé sur le bateau, le gars. Bonsoir. Allez, à ton tour, le studio. Tu as envie de te battifier avec moi, mon gros vieux? Eh ben, t'en vas t'en prendre dans le l'air, moi je... Ah, c'est des fous. Tony, it's horrible. On va se fracasser contre le yacht. Je maîtrise, Gloria, pas de panique. Oh, les coups, ils se sont fait écrabouiller. Tony, attention, derrière vous. Je vais te planter, espèce de vieux sauré d'étalage. Oh, le sarrasin. Dans le dos, et avec un couteau en plus. Ce Speculoos, tu le vois bien, mon vieux Sirligo? Eh ben, regarde-le bien, parce que je vais te le foutre dans le bec. Tu les aimes, ces Speculoos, hein, mon Sirligo? Oh, c'est bon, ce Speculoos, hein? Tu en veux plein la gueule? Je vais t'en mettre jusqu'en dans la bouche. Tiens, c'est l'heure de la messe? Mouche ton nez, dis bonjour à la... Merci, Gloria. Donnez-moi un pagaille, je vais me le finir, l'étrangleur de Namur. Jusqu'à la lit, mon vieux soldat. Prends ça dans le bide pour commencer. Et on enchaîne pour une bonne baffe en bas. Salut, Jean-François. C'est infesté de requins. Les requins me semblent particulièrement voraces dans cette partie du globe. C'est bien fait pour lui. Et vous, mon petit, comment ça va? Vous êtes blessé? Non, mais j'ai pris un bon bain. Vous avez reconnu ces flibustiers? Oui, c'était ceux de Cannes, I'm sure. J'ai dans l'idée, ma petite chérie, que vous allez être tranquille pour un bon bout de temps désormais. Cette bande d'aigrefins est dissoute. Ces vilains-là devaient être nés sous le signe du poisson. Oh, Tony! Je n'ai jamais vu un homme comme vous! Moi non plus, ma petite reine! Bravo! Bravo! Quel courage! Quelle audace! Moi, vous me connaissez, les gars. Hein, je suis d'un naturel plutôt modeste. Pourtant, je dois convenir que quand des rois, des ministres, des milliardaires, un duc et un lord vous congratulent en vous disant dans toutes les langues que vous êtes un héros, bah vous sentez le rouge de la Légion d'honneur vous grimper au front via la boutonnière. Non, non, mais vous bravo, êtes bravo, congratulations. Une lady possédant un fiancé aussi courageux doit être la plus comblée des bonnes femmes. Mes respects, votre majesté. Que vous est-il arrivé, Miss Victis? Eh bien... Oui, Gloria, racontez, je vous en prie. Lâchez-vous. J'ai suivi le steward pour nettoyer ma robe quand, tout d'un coup, le serveur, il s'est approché de la bastingage. Mais quel con! Non mais quel con! Je vous en prie. Alors là, mais on s'en fout de ma gueule ou quoi? Mais regardez ça, mademoiselle, c'est d'une étrangeté, alors j'ai déjà vu ça dans ma vie, peut-être mais une fois... qu'est-ce que vous regardez? Mais regardez ça, c'est affreux, mademoiselle! Penchez-vous pour la rébellion extrême, regardez bien, allez-toi, ma grosse... Et je me suis penchée à mon tour, alors ce salopard, il m'a empoignée par les chevilles et il m'a fait basculer dans le mer! Mon seigneur, un plongeon de 8 mètres en sortant de table, c'est pas ma mère recommandée, ça! Yes! Et sans l'intervention de mon fiancé, well, j'aurais été... Grand Dieu! Je n'ose songer à ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas su nager, Miss Victis! Oh! Monsieur Capis. Mais qui c'est celui-là? Ah, commandant Kelbelburne. Est-ce que vous avez des informations sur notre steward kidnapper? Affirmatif, monsieur Capis. Ce serveur s'est déclaré sous le nom d'Alonso Fiasco, de nationalité brésilienne. Probablement un nom d'emprunt. Il m'a dit qu'il s'appelait Jean-François. Puis-je m'adresser à vous sur le ton de la confidence, monsieur Dar? Bien entendu. Il serait nécessaire de tenir sous silence cette affaire jusqu'à la fin du week-end. Mon père apprécierait certainement la plus grande discrétion, vous comprenez? Mais comment donc vous pensez? C'est parfait, alors. La plus grande harmonie règne à bord. Champagne! Une coupe de champagne pour saluer l'exploit de ces héros. Fiasco! Non, pas lui. Vous venez prendre un dernier verre dans ma cabine, Tony? Vous m'avez sauvé la vie et j'aimerais vous prouver ma reconnaissance éperdue.
Elle sera pas éperdue pour tout le monde, Gloria. Faites-moi confiance. L'essence m'abuse ou nous sommes arrivés à bon port. Regardez, des palmiers. Wow, it's so lovely. Un avant-goût du paradis, non? Ce luxe, mes enfants. Wow, derrière le port. Une...